Est-ce que t'as revu Dylan depuis la dernière fois au cimetière? Non, je l'ai pas revu. Mais il se cache, hein. Il est pas bien, c'est normal. Ouais, je me doute, par être un proche, c'est pas... Enfin, c'est chaud quand même. Bah ouais. Je sais pas où est-ce que je pourrais le trouver par hasard, histoire de voir comment est-ce qu'il va. Bah, je sais qu'il traîne souvent dans les escaliers. Tu vois la cité à Couillet? Ouais. Ah bah, il est souvent dans les escaliers. Dans les escaliers? Ouais, tu peux le trouver là. Ouais, bah, j'irai le voir. Je suis vraiment désolée pour ton père. Ça me fait de la peine de te voir comme ça. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui s'inquiète pour toi. Enfin, perdre un proche comme ça, ça fait quelque chose. Ouais. Si tu veux, j'ai quelque chose à te proposer qui pourrait te relaxer, qui pourrait te faire du bien. Ça t'intéresse? C'est quoi? Je te le montre? Ouais, je veux bien. En plus, je l'ai fait exprès pour toi. Ouais, ça va, c'est pas dangereux. Non, c'est pas dangereux. Il y a des jeunes, il y a même des personnes âgées qui en fument. Ça peut soigner le cancer. Ouais. C'est pas dangereux, sinon je te le proposerai pas. Tu me fais confiance? Ouais, je te fais confiance. Tu veux un briquet? Ouais, je veux bien. Bon, il arrive quand le gars? Il arrive quand le gars? T'as vu la dernière fois, la cité, un petit 15 ans, il s'est fait choper. Ah ouais? 50 grammes d'herbe. C'est quoi ces gosses? Yo, tu veux quelque chose? Ouais, je suis le pote de... Sukaina, je sais pas si elle t'a dit. Oh, ouais, désolé pour ton père, en fait. Ouais. C'est triste. Allez, tiens. Je prends ça. La prochaine fois, tu me payes. Ok? N'oublie pas, hein. Allez, ouais, t'inquiète. Allez, vas-y, à plus. Ouais. Yeah. Je décroche plus trop ces temps-ci. Brûle le temps avec de l'herbe. Vu que mon père m'appelle dans le vide, quand je rentre, je fais pas trop de bruit, je lui fais assez d'ennuis. Rats de souvenirs et expressions. Si tout va bien, est-ce très sombre? Fume un dernier ai-je, sourire enfermé, est-ce? Dis-moi, je suis fou ou ai-je raison? Je suis fuck, eh. Tu veux parler, je suis fuck, eh. Personne n'est armé face à l'avenir. Personne n'est prêt à l'abri. Je colle mon nez, ma face à la vitre. Yeah, maman, je comprends pas. Pourquoi c'est dedans et pas dehors? Pourquoi ça fait mal quand ça résonne, maman, tombe dans le noir. Mon cœur connaît pas la raison. Plus aucun bruit à la maison. Ah. Hey, tu fais quoi? T'es perdu? Ouais. Tu te souviens de moi? Ouais. Tu m'as en veux-tu, non? Ouais. T'as quoi sur toi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, que je te vois pas. Je suis vraiment désolée pour ton père. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui s'inquiète pour toi. Si tu veux, j'ai quelque chose à te proposer qui pourrait te relaxer.
relaxer et qui pourrait te faire du bien. C'est pas dangereux, sinon je te le proposerai pas, tu me fais confiance. Ouais, je te fais confiance. Je suis vraiment désolée pour ton père. Ça me fait de la peine de te voir comme ça. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui s'inquiète pour toi. Enfin, perdre un proche comme ça, ça fait quelque chose. Si tu veux, j'ai quelque chose à te proposer qui pourrait te relaxer, qui pourrait te faire du bien. Qui pourrait te rendre mieux un petit peu. Ça t'intéresse ? C'est quoi ? Je te le montre. Ouais, je veux bien. En plus, je l'ai fait exprès pour toi. Ouais, ça va, c'est pas dangereux. Non, c'est pas dangereux. On m'a toujours dit, prends tes rêves, un peu comme un rêveur. Avant je décide de faire une rêve, on est des travailleurs. L'État nous domine.